la rencontre d'aujourd'hui porte sur la place de l'entreprise dans la stratégie de l'emploi, la stratégie de l'emploi. Vous le savez très bien, la place de l'entreprise dans notre pays est centrale. Nous avons opté pour un système libéral, mais un système libéral où il y a le rôle de l'État régulateur qui est fondamental. C'est pour cela que nous avons une législation de travail qui s'impose à tout le monde. Tout le monde doit la respecter. Nous avons une réglementation. Nous avons des lois qui s'imposent aussi bien à l'entreprise qu'aux salariés. Et notre objectif, c'est de créer les conditions idoines pour assurer la compétitivité de l'entreprise, mais en même temps pour améliorer la qualité de travail, afin de lutter contre toute forme de précarité et d'assurer un travail décent à tous les citoyens et par conséquent la dignité pour les citoyens. Bien sûr, dans la stratégie, il y a un certain nombre de mesures qui sont déclinées, qui vont être déclinées au fur et à mesure dans le temps. Et je crois que le débat comme celui d'aujourd'hui va nous permettre d'abord d'affiner davantage nos propositions et d'être à l'écoute des opérateurs pour répondre dans la mesure des possibles à leurs sollicitations. Nous sommes là, bien sûr, dans le cadre du dialogue. Nous dialoguons aussi bien avec les chambres, notamment la Chambre française de commerce, avec laquelle nous avons des relations privilégiées, comme nous dialoguons également avec les autres partenaires sociaux, les syndicats, la CGM, etc. Opérateur économique, Confédération générale des chambres.